Oui, Thomas, cette affaire Breivik remet sur le devant de la scène le statut de responsabilité ou irresponsabilité pénale, selon effectivement le cas psychiatrique ou pas. C'est un statut qui est reconnu dans tous les pays maintenant ou... Oui, la quasi-totalité des pays du monde aujourd'hui reconnaît effectivement le caractère de démence potentielle de quelqu'un qui commet un crime au moment du crime qu'il commet. Il y a guère qu'aujourd'hui le Japon, par exemple, qui, mais très très rarement, va exécuter quelques attardés mentaux pour les crimes qu'ils ont commis. Les États-Unis, par exemple. C'est depuis 10 ans que la Cour suprême a désormais rendu interdit l'exécution d'attardés mentaux. Donc c'est assez récent, mais la plupart des pays, effectivement, aujourd'hui le font. C'est un petit peu la victoire de Kant sur Descartes. Hein. Descartes, dans son discours de la méthode à la fin du XVIIe siècle, lui considérait que tout acte, à partir du moment où il était réalisé par un homme, était raisonnable. Donc ça n'ouvrait pas la porte à ce genre de choses. Un siècle plus tard, Kant, lui, au contraire... Bien au contraire, le considérer qu'il fallait prendre en compte effectivement le caractère démentiel ou pas d'une personne. Il écrivait par exemple dans sa critique de la raison pure en 1781 « Lorsque quelqu'un a délibérément occasionné un malheur et que pour savoir s'il est coupable et de quelle culpabilité son acte relève, il faut donc préalablement déterminer s'il est alors fou ou non. » Donc ça fait bien longtemps. Depuis quand exactement? Alors si on prend le cas français, il faut revenir au code pénal de 1810. Le code napoléonien, donc, dans lequel on peut lire ces mots, « Il n'y a crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ». Donc, effectivement, voilà qui a été dit. Mais déjà, sous l'Ancien Régime, on a effectivement pris en compte la démence, sauf dans des cas très graves, notamment des crimes lèse-majesté, ou lorsque la religion est en cause. Par exemple, François Sarrazin, 22 ans, en 1670, totalement fou, va transpercer de son épée une hostie consacrée. Et alors qu'il est considéré comme fou, il est quand même évidemment écartelé, tué devant Notre-Dame pour signifier à l'ensemble de la population que c'est quelque chose d'inacceptable. Alors vous citiez Kant, c'est vraiment une question philosophique? Oui, c'est quelque chose... plus que de la justice, pas alors seulement de la justice. Oui, alors le cas de Breivik est passionnant parce que lui veut être reconnu comme pénalement coupable et dans le sujet on le disait, pourquoi? Parce que pour lui, il dit effectivement, je ne veux pas que mon idéologie soit considérée comme quelque chose de fou. Et on revient à Michel Foucault qui dans les années 60 publie sa thèse qui s'appelle « Histoire de la folie » dans laquelle il dit qu'en fait, une société dit que l'autre est fou pour se protéger. Ça permet d'exclure la folie, d'exclure les idées déviantes dans la folie, donc ailleurs. Et tout l'art de Breivik, c'est de dire « mais non, je ne suis pas fou, je ne suis pas dément ce que j'ai fait ». Et donc aujourd'hui, on comprend bien pourquoi le parquet considère que Breivik est fou. Je mets de côté les expertises possibles, mais parce que ça permet d'éviter à la Norvège de se poser la question de comment notre modèle, notamment social et politique, a pu faire naître ce genre de, entre guillemets, folie. Je crois que malheureusement pour les Norvégiens, que Breivik ou pas soit considéré comme fou ou pas le 24 août, la Norvège ne pourra pas faire l'économie d'un débat profond sur les racines de cette idéologie nauséabonde. Merci Thomas Snegaroff, à la semaine prochaine.